Bonjour à tous, on est vendredi 8 décembre et donc on se retrouve pour une ouverture de colis. J'ai Craft Day qui m'a proposé un partenariat. Donc je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Alors comme d'habitude, c'est emballé dans des sacs comme ça, voilà, gris et noir. Alors, on va commencer par celui-là. J'ai commandé une tablette lumineuse pour le German Painting. Alors, elle a des accessoires pour la mettre, l'incliner. Il y a les pinces pour tenir le German Painting dessus, le câble et une roulette pour coller les German Painting à la fin. Donc, on va déjà brancher la tablette pour voir ce que ça donne. Alors la tablette est toute blanche comme ça, voilà, avec juste un liseré rouge. Donc, d'accord. Alors on a le câble d'alimentation comme ça, mais on n'a pas le truc qui va à la prise là pour charger. Donc je vais aller le chercher et je reviens dans 2 minutes. Là, j'ai pris celui de mon téléphone portable. Alors, on va le brancher. Le câble, il est assez long. Hein. Franchement, voilà, j'ai de quoi faire 2 fois la taille de mon bureau. Alors, par contre, il faut trouver où est-ce qu'on le branche. C'est un mystère. Là, d'accord. Donc, juste là, il y a un petit encoche. Je sais pas si vous allez voir. Alors. Ça s'allume bleu, donc je pense que c'est bon. Ah. Oula. Alors, attendez. Hop. Donc, je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Ouais. Donc, il y a 3 niveaux de luminosité. Ben, c'est pas mal. Et ensuite, je voulais voir pour ça. Alors, ça doit être comme ça, je pense. Pourquoi il y en a deux? Parce qu'il y a deux trous. Ah, ouais, il y a deux trous, t'as raison. Ensuite, on a des pinces comme ça, là. Alors, je sais pas si... Ouais, c'est pour régler plusieurs hauteurs. On a des petites pinces dans lesquelles on peut mettre 2 crochets. Enfin, 2 supports, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour être plus ou moins incliné, en fait. Donc, ça s'incline plus ou moins. Alors, je vais essayer de vous montrer. Donc on peut les mettre comme ceci, c'est pour ça qu'on a les pinces pour mettre le German Painting. Pour pas que le German Painting glisse en fait quand on le fait. Donc les pinces elles sont assez épaisses pour tenir sur... voilà comme ça je vais vous mettre. Et sinon on peut le rebaisser. Alors voilà, comme ceci. Moi je pense que comme ça c'est largement assez incliné, vous voyez. Et ensuite on a la petite brosse là, enfin la roulette. On va l'ouvrir aussi là. Donc ça c'est la roulette une fois qu'on a fini pour passer sur le DP pour bien accrocher tous les diamants. Et alors avec ça ils m'ont aussi envoyé un diamant painting de Noël. Donc vous aurez une réduction de 10% avec le code PAM10. Et vous aurez les liens en barre d'infos, voilà. Et donc avec ça, ils m'ont aussi envoyé un petit German Painting de 25 par 25 d'un bonhomme de neige qui est assez sympa. Et qu'on fera du coup ensemble en tuto, voilà, la semaine prochaine. Et du coup, ben justement, j'utiliserai la tablette et je vous dirai, mais honnêtement, Lucie, elle a une tablette aussi. C'est beaucoup plus agréable avec la tablette pour travailler, quoi.
Bon, là, je le mets, comment dire, incliné. Mais même si on est à plat sur le bureau, en fait, la tablette, ça nous aide parce que ça éclaire l'arrière. Et du coup, on force beaucoup moins sur les yeux. Et donc, à l'intérieur du sachet, ben, j'ai toutes les couleurs de diamants. Donc, noir, rose, tout ça. Les sachets sont numérotés. C'est des sachets à zip. Voilà ce que j'aime bien sur le site Craft Day. C'est que tous les sachets sont zippés. Donc, on peut les ouvrir et les refermer sans se prendre la tête. Et ensuite, on a le petit kit habituel avec le stylo, la petite gomme et le petit récipient pour mettre les diamants. Donc voilà, ben merci beaucoup à Craft Day de m'avoir fait confiance à nouveau pour un nouveau partenariat parce que c'est pas la première fois que je fais un partenariat avec eux. J'ai toujours été satisfaite de leurs produits comme je leur ai dit, voilà. Et pour une fois, ben, j'ai voulu essayer une tablette parce que c'est aussi quelque chose d'électronique, donc pour voir si ça fonctionnait, voilà. Ça change que de prendre que des diamond painting. Et franchement, je suis contente du résultat et de la qualité parce que surtout les autres tablettes qu'on a à la maison avec les filles, c'est les tablettes Action et on n'a pas le support, voilà, pour les mettre inclinées en fait. Donc là, le fait de pouvoir l'incliner, ben, c'est un plus pour moi. Donc ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.